Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve sur Modern Warfare 3 encore une fois pour faire le succès de l'âme fatale qui consiste à achever un mastodonte avec un coup de couteau. Donc ce succès n'est pas forcément simple à réaliser, enfin je vous conseille d'avoir encore un petit peu de blindage et votre auto-résurrection ainsi que une ou deux grenades flash et au moins une grenade à fragmentation. Ensuite je vous conseille de garder la MP5. Elle est pas trop puissante et comme ça vous pourrez tirer de petites rafales histoire d'achever son blindage. Et donc je vous conseille de faire cette mise au, ce succès dans une map à couvert. Étant donné que si jamais vous perdez votre auto-résurrection, vous pourrez vous mettre à couvert pour régénérer de la vie et pour recharger. Donc c'est parti. Donc moi personnellement je préférais le faire sur résistance. Étant donné que c'est pas mal à couvert. Si on a le camion là-bas, enfin il y a plein de bâtiments où on peut se cacher, enfin c'est génial. Donc là il y a notre ami le mastodon qui arrive. Malheureusement on ne peut pas casser l'hélicoptère avec un missile Predator. Donc là pendant qu'il est achevé, profitez-en pour lui donner quelques petits coups. Et donc là hop, donc là par contre faites très 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 attention. Gardez vos grenades flash. Bon, par contre, là, on va faire très attention. Là, on va courir. Franchement, ce succès ne se déroule pas généralement comme on aimerait. Je vous conseille de ne pas prendre le modèle, étant il est un petit peu trop puissant pour ce... Et là, vite, on court pour recharger. Donc, il n'y a pas forcément de commentaires à faire. C'est comme là, si jamais vous êtes vraiment dans la merde, essayez de courir pour vous mettre à couvert. Parce que, par exemple, dans la map village, ce serait assez difficile. Donc là, vous voyez, je suis vraiment dans la merde au niveau du rouge. C'est pas très, très simple. On la étire, on ne sait où, on ne sait pas pourquoi. Donc, laissez-le se rapprocher. Ce côté-là, avec le camion, c'est très, très farceur. On peut... Prenez-le par le dos, ils aiment pas ça. Surtout quand ils sont en train de recharger. Donc là, quand ils tirent, regardez un petit peu par la fenêtre. Là, on le reprend par le dos. On recourt. Bon, où est-ce qu'il est passé, notre ami? Ah, il est passé par là. N'hésitez pas à tirer quelques rafales. Et voilà. Donc vraiment, faites très attention au niveau des rafales parce qu'on ne sait jamais quand est-ce que ça va bien tomber. Ah merde, j'ai commencé la manche. Il y a une belle tête, le mastodon, quand même. C'est pas mal équipé, hein. Ah ouais, pas mal. Quoi qu'il en soit. Donc voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura aidé pour ce succès. Donc franchement, c'est la seule et unique astuce que je peux vous donner, c'est vraiment de faire ça dans une map à couvert. Donc franchement, faites-le en résistance. Parce que dans le village, il n'y a pas beaucoup d'endroits où se mettre à couvert. Et donc là, on peut jouer des tours au mastodon et tirer quelques rafales au début. Et n'utilisez pas d'armes trop puissantes comme les fusées à pompe. Utilisez seulement la MP5K qui, elle, n'est ni trop puissante ni trop faible. Ce qui pourrait être très utile. Donc voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu.